Des chansonnettes et du bonheur plein la tête sur un air d'accordéon. Ce qu'il y a dans tes mirettes qui me fait tourner la tête, c'est l'amour. Alors Simone Signoret, qu'en pensez-vous? Ça me plaît bien. Pourtant vous devez être habitué, c'est pas une obsession? L'obsession de quoi? Tous ces mots, toutes ces phrases, moi quand j'entends chanter mon temps une fois le matin, en me rasant, je le chante toute la journée. Alors vous qui vivez avec lui? Ah oui, mais moi il ne chante jamais en se rasant, ça, c'est la différence qu'il y a entre vous et moi. Ça marche bien pour Yves en ce moment. Ça oui, marche ça bien va pour bien. Lui. Ah oui, ça va vous bien. Le suivez dans tous ses voyages? Chaque fois que je peux, oui. C'est vrai, dans le fond, on est tellement habitués à vous voir ensemble qu'on a oublié à quel point vous étiez unis. C'est assez rare. C'est gentil ce que vous me dites. Est-ce que par hasard vous vous aimeriez? On s'aime et on s'aime bien. On s'aime bien et on s'aime. Revenons au cinéma. Oui. Votre carrière, Simone Signoret, est assez étrange parce que depuis quelque temps, la plupart des films que vous avez faits ont été produits et réalisés à l'étranger. Vous avez été tourné au Mexique, vous avez été tourné en Allemagne, Les Sorcières de Salem, le film de Buñuel. Oui, c'est un film français, Les Sorcières. Oui, mais bien sûr, mais ça se passait quand même à l'étranger. Et maintenant, vous arrivez à Cannes comme vedette anglaise. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je ne sais pas l'expliquer. Je crois que c'est vrai que j'ai pas tourné en France depuis longtemps. J'ai tourné ce film anglais parce qu'on m'a proposé une très très bonne histoire et que j'ai eu envie de la faire, mais les Français m'auraient proposé la même histoire, je l'aurais tournée aussi volontiers. Enfin, mais ça... vous ne tournez pas un rôle de Française dans ce film? Si. Ah, c'est un rôle de Française, oui, tout de même. C'est un rôle de Française. Ah, moi, oui. Je croyais qu'on avait été jusqu'au bout de l'aventure. Non, 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 c'est-à-dire que dans le roman, elle n'est pas Française, mais comme elle est d'ailleurs, c'est pas un personnage qui appartient au milieu qu'on décrit. Elle est un élément étranger. Alors, ils ont pu la transformer en française pour cette raison. Le film s'appelle... Room at the Top. Oui, ils ont traduit ça de façon très simple. Ils ont traduit ça, mais c'était très difficile à traduire, oui. Parce que en anglais, ça a deux sens. Enfin, ça a le sens d'une chambre qui est en haut, et ça a aussi le sens d'une place dans la société qui est en haut. Le titre merveilleux... eût été une place au soleil, malheureusement. Oui, c'est pris. Hein. C'est pris par un très bon film. Et puis même assez bien pris, d'ailleurs. Bien maintenant, pris pour très longtemps. Ça s'appelle Les Chemins de la Haute Ville. Oui. En attendant mieux. C'est une histoire qui a eu énormément de succès en Angleterre. Je crois que le film marche également très bien en Amérique. Oui, le roman a eu beaucoup de succès en Angleterre il y a deux ans, l'année dernière. Le film a très bien marché en Angleterre, il marche très bien en Amérique. Et quelles sont vos impressions de vedette anglaise à Cannes? Je ne suis pas une vedette, alors je n'ai pas d'impression de vedette ni anglaise ni française, parce que je ne me sens pas dans la peau de ce que vous avez dit. Je ne me sens pas dans la peau d'une vedette. Si j'étais une vedette, je ne serais probablement pas là aujourd'hui comme je suis, c'est-à-dire je me serais un petit peu mieux arrangée. Comme je suis fatiguée, que je n'ai pas très bonne mine, je me serais peut-être arrangée pour vous demander de faire ça une autre fois, ou j'aurais été me relaxer pendant 3 heures avant de venir. C'est ça, une vedette. Une vedette, c'est très difficile, je crois, d'être une vedette. J'ai pas du tout de mépris qu'ont certaines comédiennes pour ce qu'on appelle les grandes vedettes. Je pense que pour être vraiment une très grande vedette, comme est, par exemple, Lola Brigida ou Sophia Loren ou les grosses vedettes américaines, je crois que c'est un travail de tous les instants, enfin, du matin quand on se réveille jusqu'au soir où on se couche. C'est un métier qui ne vous permet pas à la moindre distraction, ni dans la façon dont on doit s'habiller, ni dans la façon dont on doit se comporter, ni dans la façon dont on doit être vis-à-vis des gens. Moi, je ne saurais pas le faire. Je crois que c'est très difficile et je ne saurais pas. Je ne saurais pas le faire bien. Quoi. C'est une spécialité. C'est un métier qui s'apprend, je crois. Et vous voulez vous permettre des distractions, justement. Oui. D'ailleurs, vous les permettez également dans le choix des films que vous tournez, parce que vous tournez assez peu parce que vous voulez tourner uniquement les choses qui vous intéressent. Oui. C'est un avantage et un désavantage. Oui, il faut dire que je peux me permettre ça. J'ai une position que je qualifierais de luxe parce qu'on est deux et que si j'étais seule dans la vie, si je n'étais pas mariée à mon temps et si j'avais besoin de subvenir à mes propres besoins et d'élever par exemple mon enfant seule, comme certaines filles que je connais, je ne pourrais pas me permettre de ne faire qu'un film tous les ans.